Bon, les amis, on se retrouve. Mince. On se retrouve plus vite que prévu, du coup, pour affronter Mister Toe. Et j'ai pris quelques précautions pour éviter la situation de la dernière fois, bien sûr. Comme par exemple le fait que je vais donner des boutiches lunaires à tout le monde dans l'équipe. Ce sont des objets qui empêchent la paralysie. Enfin, quand tu les utilises en combat, bien sûr, ça soigne de la paralysie. Quoi. On va prendre des panacées mineures. On va la donner à Yangus. Remède spécial, on va donner à Oiro. Et le fromage sec, on va le donner au héros contre l'herbe médicinale. Bien, retentons notre chance. D'accord, vous qui n'aimez pas ma chanson, qui bouge, ben moi c'est vous que j'aime pas. Ok, donc près de jeu, fromage sec. Yangus tension, Jessica tension, Angelo méga protection. Non, même pas, Jessica accélération. Je veux qu'on soit plus rapide que. Bien, cette fois-ci ce sera pas la même affaire. Trop fort, Monkey. J'adore cette souris. Oh, l'agilité de Jessica est carrément bien pour 80. Ok. Jessica va faire un deuxième tour d'accélération pour être sûr. Et oui, je fais un troisième tour de protection carrément. Oui. Là, on joue assez peu à fond. Maintenant, Jessica et Angelo, tension. Tout le monde sous tension. Je vais vous montrer quelque chose, les enfants. Je vais vous montrer quelque chose de magique, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai combat. Jessica, il va balancer un bang pour supprimer tout le tour. Yangus passera en tension 100 pour attaquer Mister Toe. Je vais mettre pause au prochain tour. C'est vraiment chiant. Bien, désolé de cette interruption encore une fois. J'ai horreur de me faire interrompre. Oui, aïe. Tension du héros max. T-
tension de Yangus max. Bon, là-dessus, aucun problème, on sait tous qui va attaquer en premier, c'est Jessica. Alors, le héros, multi-coup, Yangus, Paral H, Jessica sort Bang, Angelo sort malheureusement, et une version de Yangus. Partiel, même pas premier secours parce qu'il est déjà en tension donc Wow, le bang, dites adieu à la saleté. Bang, dites adieu à la saleté. 502, voilà. Jessica soigné par là, je pense qu'on s'en va. 486, ça c'est du dégât. Ah, vous savez quoi? On va appeler les terreurs, on va espérer qu'ils lui dégomment la face. Go les terreurs! On lui a fait de bons dégâts là. Allez, dégagez-moi cette grosse patate de Mister Po. Oh oui! On était pas loin de le vaincre. Une étoile s'éteint! Les choses sont... Les choses sonnent. Allez, ils sont partis. Ils sont allés trop loin. Chef! Chef, tenez bon! Merci de l'avoir fait taire, mais inutile de faire une montagne de topinière. Il lui arrive de voler des trucs, sa musique est catastrophique, mais à part ça, c'est un super chef. Vous pouvez reprendre la harpe, comme ça vous pourrez peut-être en rester là pour cette fois. Oui, nous avons la harpe. Bon. Vous savez quoi, je propose qu'on se fasse pas chier à rentrer comme ça. On va aller à ce compte-là comme ça. Voilà, prévenir le roi que c'est inutile. Parce que oui, il faut savoir qu'il est en mode « Oh, faut envoyer les gardes !» C'est inadmissible et tout, alors qu'en fait on a été gommé littéralement. Les ennemis.
Bon, le roi n'est pas là. On va aller voir dans la salle du trône. Et juste après, on va repartir aller voir l'autre Atrodin. Désolé pour le retard, nous allons maintenant convoquer le... Incroyable, vous avez pris voleur de chasse à récupérer la harpe seule. Mais pourquoi avoir couru un tel risque, ceci étant... Je vous admets que je suis impressionné, bravo. J'ai l'impression que je vous attire sans cesse des ennuis, vraiment ennuyeux. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que vous soyez sain et sauf. Et l'excellente bonne nouvelle, c'est que vous ayez récupéré la harpe. Naturellement, elle est à vous désormais comme promis. Soyez prudent lors de vos voyages. Bon, d'accord. T'es trop long, mec. Le début, il voulait envoyer la garde, sa garde contre Mister Top, ça aurait fait éclater. Sa musique est tellement mauvaise que Mister Top aurait éclaté sans problème. Oh purée! Voyons voir. Ah oui, et puis on peut toujours pas rentrer par là, non? Je vais péter un câble. Ok, alors on va faire ça en mode rapide, les enfants, ok? C'est-à-dire que tous les monstres ont essayé de les fuir, ça a été très vite. Je vais continuer le plus rapidement possible dans le bon. Parce que oui, le temps sur mon enregistreur d'écran est limité. Enfin, il est limité. Comment dire, je suis limité à 40 minutes par épisode grand max. Sinon ça coupe la vidéo. J'ai pas eu de problème avec l'autre parce que ça a coupé et c'est reparti sur une autre pour éviter de me couper totalement, mais c'est relou quand même. Et vous voyez là le dragon. Je le fuis. Enfin, mais vous voyez le temps qu'il met à apparaître devant moi tellement je suis rapide. Et avec mon effet de fiole d'eau sacrée, là, je trace. Comme dirait Kuro Bizarre, vroom vroom vroom. Donc par là, ensuite c'est derrière pour la salle du trône, par là, à droite, et on y est déjà arrivé donc à la ville. La strade de la fuite, ça marche. Best stratégie ever.
Je vais activer le raccourci de la bibliothèque. Même si je sais pas où est la porte. Et... voilà, la porte est déverrouillée. Bien, bah ouais, super. J'ai l'air malin, moi, à attendre là. Pire, vous savez quoi, on va sortir. On reviendra quand il fera nuit. La nuit tombe plus facilement lorsqu'on est en dehors des... voilà. Restez là, vous allez voir que la nuit va tomber facilement. A priori, la nuit va pas tarder à tomber. Et voilà. Vous avez vu tellement c'est plus rapide là dehors. C'est dingue. Bon. Et bien voilà. Purée, qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'ai vu passer de nombreuses lunes, mais jamais auparavant. Le temps ne m'avait paru s'écouler si lentement. Je devine l'issue de votre quête à l'éclat de vos yeux. Vous avez trouvé la harpe d'ombre lune. S'il vous plaît, montrez-la moi. Montrez-moi l'instrument puissant qui ravivera le souvenir de l'océan. Harpe a voyagé très loin, tout comme vous. Je n'aurais jamais cru qu'elle retrouverait le chemin à mes mains à présent. Attendu à la tâche. Allons au bateau. La musique le réveillera de son sommeil et permettra de naviguer à nouveau. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais devoir aller jusqu'au bateau en mode oh non, j'ai la flemme. On arrête le let's play, j'ai la flemme. Je rigole. Que se passe-t-il? Comment sommes-nous? Ce bateau, la harpe d'ombre lune et moi-même sommes semblables. Nous venons tous de l'ancien monde. Je vous remercie de nous avoir réunis, nous autres anciens. Maintenant, venez, venez à moi, océan, temps révolu. Viens à moi, vieil océan, reviens une fois encore.
Elle est nulle, ta harpe. Elle marche pas. Non. Ce serait même au-delà du pouvoir de la harpe d'Ombreline. Non, attendez. Pardonnez mon ignorance. Tout d'abord, je n'ai vu qu'un cheval. Mais je vois à présent que vous êtes en réalité une noble princesse. Bien sûr, la magie commence par un mot, la musique commence par un chant. La voix magnifique de cette princesse ensorcelée est tout ce dont et tout ce puissant instrument a besoin pour libérer sa puissance, d'accord. Princesse, je vous en prie, venez à mon secours. Chantez avec moi. C'est pour ça que j'adore Dragon Quest 8. Ces animations. L'heure est venue de nous séparer. Je chanterai pour venir votre voyage. J'ai pas eu le temps de dire le reste, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il disait. Sapristi, nom d'une bique, ventre bleu, il s'est passé quoi là? Arrête tes simagrées ridicules, tout ça c'est grâce à ma précieuse média. Ouais bon, au moins maintenant on a un bateau qui est en train de fonctionner maintenant, hein chef, sympa. Il est un peu trop tôt pour se féliciter, non? Nous avons encore beaucoup à faire. Comment retrouver Dumagus par exemple, tu te souviens? À la base, c'est pour ça que nous sommes donnés autant de mal pour avoir ce bateau. Bon, si Dumagus a quitté le continent Est, je suggère que nous allions vers l'Ouest pour voir si nous ne pouvons pas le rattraper là-bas. Très bien, c'est décidé. Cap vers l'Ouest. Cap vers l'Ouest. L'Ouest. Ouest, ouest, ouest. Et ouest. Nord, sud, est. Ouest.
Bon, de toute façon, l'ouest, c'est toujours à gauche de la carte. Donc l'ouest en gros ça serait ouais tout droit. Là vous voyez, il y a ma petite flèche rouge. Je pense qu'on va aller tout droit entre les deux creux. Je pense qu'on va peut-être trouver quelque chose, je sais pas. On va voir. Déjà il y a une île juste devant là qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'on est rapide. Oh là. J'ai pas envie de les affronter. Oh merde. Mais vous... Mais... Tiens, boum! Stratégie ultime! C'est imparable. Non, attendez. Les mini-médailles. Oui! C'est le symbole des mini-médailles! Le roi est malade alors elle s'occupe de tout à sa place. Ah, des visiteurs. Je me demande depuis combien d'années nous n'avons reçu personne. Et je suppose que vous avez apporté certaines de ces petites babioles, n'est-ce pas? Eh bien, portez tout de suite à la princesse, elle sera ravie. On la trouvera à l'étage. D'accord. Si je ne vais pas supporter ce corps inutile, je serai incapable de régner. Tout ne reposerait pas ainsi sur tes épaules. Oh ma chère Minnie, c'est entièrement de ma faute si tu dois supporter un tel fardeau. Ne dis pas de choses pareilles, père. Je suis ravi d'accomplir les devoirs royaux. Ne te tracasse pas, contente-toi de te reposer et te remettre sur pied. Oh, des visiteurs, quelle surprise! Pouvons-nous supposer que vous avez apporté quelques-unes de ces magnifiques, brillantes et adorables petites mini-médailles? C'est le cas, vous êtes adorables. Nous allons enfin pouvoir attribuer nos contributions à l'œuvre de famille. Je vous suggère d'aller venir à l'étage inférieur. Excuse-nous, père. Qui est malade, petit bibi. Des récompenses remises. Oh, des barésiles, vestonchis, bâton du Kourou, pépite d'or, brassard météore, épée miracle, armure sacrée, bout d'orchilac, homme royal, secret de Mini, secret de Maximilien. Waouh. Tout ce qu'on peut avoir avec la mini médaille. Tout sur les anneaux d'or. Les anneaux d'or sont beaux. Un homme qui endort l'ennemi et un anneau de l'éveil. Ouais.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, bonjour, je suis Mimi, princesse des médailles. Vous savez, je collectionne les mini-médailles du monde entier. Donc, en gros, elle veut nous échanger les mini-médailles contre des trucs. Ah, prends mes... Ah, elle a pris mes mini-médailles. Bah déjà du coup elle m'a donné un truc. Non. Enfin bon. Nous en sommes à 31 minutes. Bah alors, c'est la danse du caleçon. Nous repartons en bateau. Oui, il faut savoir qu'il y a aussi des monstres marins. Et on peut fuir sur notre propre bateau. C'est trop fort, hein. Ça me tue la logique. Oh, il y a une ville au-dessus d'un pont. Oh, la joke. Oula. On va prendre une pas bizarre, le dragon marin. Il est tout seul, il est grand. Il a une taille incroyable. Hein. What? Il nous a aveuglés tous. Oh, le giga flash, il fait beaucoup de lumière lui. Oh, qu'il se calme. Allez, boumez-le.
Oui, une animation sur lui quand il est vaincu en plus. Ça me paraît étrange. Je vais débarquer ici. Le truc, c'est qu'on est déjà à 35 minutes d'épisode. Donc, sur la carte PSP, le chemin est continué encore. Oui, je sens, il semble que je puisse revenir. Bon, écoutez, on va visiter le territoire. Mais nous ferons ça, eh bien, dans le prochain épisode, lol. Ok, non, regardez, je vais monter. Je vois une église là-bas, mais pas loin, là, en mer. Nickel. Le petit rush dans l'église. Bien voilà, mes amis, on va s'arrêter là, nous. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.